Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maelic Amaillon Tech. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un nouveau test d'un objet aujourd'hui que j'ai acheté il y a quelques semaines chez Aldi, parce que cette fois-ci j'ai acheté cet objet chez Aldi. C'est juste parce que ici je suis en train de faire une vidéo à Aquarelle, donc c'était un rapport avec cet endroit que je voulais faire une vidéo. Donc c'est des jumelles de la marque Maginon, jumelles de poche 10x50, grossissement 10 fois, pour la chasse, le sport et le voyage. Donc on va ouvrir et tester. Donc traitement optique multicouche bleu à une image plus claire, molette centrale pour une mise au point rapide, revêtement en caoutchouc durable, correction dioptrique, contient une pochette de rangement, une lanière tour de cou et un chiffon de nettoyage. Donc c'est des jumelles. Moi, c'est juste des fois pour essayer, pour regarder les oiseaux, les trucs comme ça. C'est pour ça que je les ai achetés, quoi. Il y a des choses à couper. Voilà. Et sinon, vous avez quoi d'autre? Grossissement 10 fois, diamètre de l'objectif 50 mm. Système de mise au point oculaire central, type de prisme de poro, champ de vision sur 1000 m, 114 m, 13 mm distance des yeux, pupille de sortie 4,1 mm, poids 810 g et traitement type revêtement multicouche bleu. Donc ça sert pour la randonnée, le camping, le bateau, le voyage, le tourisme. Observation d'oiseaux, chasse, sport, observation de la nature, sport automobile. Même pour aller voir les courses de chevaux. Donc voilà. Dedans, nous avons les petites jumelles. En dessous, nous avons les petits prospectus, la garantie 3 ans, la petite pochette et la lanière. Et le petit chiffon là. On va ranger un petit peu. Donc voilà la petite pochette terre. Les prospectus et puis voilà. Désolé. Donc voilà pour les petites jumelles. Donc elles sont, c'est des petites jumelles très classe. Vous avez un bouton pour ramener et là c'est pour agrandir, je pense. Donc on va enlever les trucs. Voilà, vous avez des petites protections pour les lunettes, pour les verres. Et après vous faites comme ça. Là. Ah, grand c'est facile, mais petit. Oh la vache. Oh c'est hyper grand. Vache. Elles sont pas mal. Elles grossissent bien. Et après quand on fait ça, ça. Ah ouais, c'est pour agrandir, pour mettre l'image mieux. En fait. Ouais. Donc voilà. Sinon il y a d'autres petites molettes, je pense. Non. Ah si, il y a la petite molette de droite. Je pense qui va servir.
Voilà. Elles sont pas mal. On voit loin là. On voit jusqu'à là-bas. Le ponton, là-bas. Oh la vache, ça va loin quand même. On voit loin quand même. C'est génial. Je les ai payés 19,90. Moi, c'était pour voir des fois s'il y avait des oiseaux ou des trucs comme ça. Attends, on va voir si on voit les petits canards. Ah, on les voit loin, les petits canards. Ah ouais, la vache. C'est pas mal comme le jumelle. Quand tu vas te promener en forêt ou dans des trucs comme ça. Je les adore. En fait, je les ai achetés pour moi. C'est le dernier objet que j'ai acheté pour l'instant. Je sais pas si j'achèterai d'autres objets pour le moment. Si j'ai acheté bah, aujourd'hui la petite table connectée qui fait enceinte où tu peux mettre ton portable à charger. Donc en fait, je vais pas la tester parce que quelqu'un l'a déjà testé en vidéo. Et il a fait une très belle vidéo dessus. Elle coûte 69,90 chez Jiffy. C'est une table connectée de la marque Home Day. Pas très cher. Qu'une autre personne a fait une vidéo dessus. Mais sur presque la même. Sauf que la sienne de l'autre personne vaut 259 euros. Et elle n'est pas connectée. Tu peux pas mettre ton portable dessus et charger ton portable. Faut le recharger par prise. Donc c'est pas connecté. Donc c'est plus cher pour rien du tout, quoi. Et elle fait musique quand même, elle fait enceinte quand même. Elle est plus chère pour le prix que ça vaut. Donc voilà. Donc voilà pour ces petites jumelles. Voilà. Elles sont pas mal. Je les adore. Je pense que des fois je m'en servirai un peu. Peut-être pas souvent, mais je m'en servirai un petit peu. Ouais. Pour 19,90, je les recommande. C'est pas mal, quoi. Voilà, quoi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire en dessous de la description, à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit de test, soit de reprise de chansons. Allez, à plus les gens!